Bonjour. Bonjour. On est content de vous rencontrer, on est content d'assister à votre présentation. Et alors, on va vous méditer pendant 20 minutes. Et puis, ensuite, on va avoir 10 minutes de questions et 10 minutes pour lesquelles on collabera et on viendra pour voir vos manifs de presse. Voilà. Merci. Merci. Et donc, je vais vous laisser la parole tout de suite et lancer le chrono. Et voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour caméra. Alors, là il est 6h34. Mon réveil vient de sonner. En vrai, ça va quoi. On n'a pas encore beaucoup trop de pression. Alors, que dire. Franchement, hâte que la journée se passe quand même. On va attendre plus que ça, c'est le jour J. Et puis, on s'est donné rendez-vous à. À 9h, mais la majorité des personnes sera là à 8h. Et hâte de passer une journée de fou. De toute façon, tu seras avec moi et avec nous pour voir tout ça et suivre notre périple. Bon, on va aller se préparer. À tout à l'heure. Nous nous retrouvons dans le labo, justement, avec Nicolas. Dit. Ah oui, Nicolas. Très bien, bien bonsoir, bonjour. Enchanté, je m'appelle Teuse. Non, du coup, j'ai pas filmé les séquences d'avant où on rentre au lycée, enfin où je rentre au lycée, où Nicolas m'a lâchement abandonné. On a réussi à mettre le point sur le fonctionnement de Twitch avec Stéphanie par rapport au fonctionnement au cas où il y a un problème pour mettre en route. Et là, on va faire notre propagande, on va mettre plein d'affiches dans. Enfin. C'est notre but, plein d'affiches dans le lycée. Du coup, on se connecte à l'ordinateur là. Ah. Avec Nicolas, en tant que technicien. Et on va aller imprimer ça vers la salle des profs. Voilà. Bon, je pense que la prochaine fois. Pourquoi tu rigoles comme ça? Bon, la prochaine fois où on va se revoir, ce sera avec notre ami Thomas, où le trio sera. Et arrête, j'essaie de faire un truc sérieux là, tu comprends ou pas? Toujours pas. Mon mot de passe, il veut pas. Ton mot de passe, il veut pas. Bon, dès qu'on va réussir à se connecter, on va les imprimer. On vous tient en courant. Et puis, on va sûrement être rejoints. Attends, faut que ça termine comme ça, je pense. Ah, d'accord. On va terminer avec des bulles. Bonjour, on m'a rejoint. Voilà, comme vous avez pu le constater, on a rejoint Thomas. Donc, on est à H-. Wow, on voit pas ma tête en entière. Attendez, je change le mode. FPV. Du coup, on a fait les cartes, on a mis notre propagande un peu partout au lycée. Venez, on va aller vous voir avec vous. Voilà, à H-3. Elle est là. Ah oui, c'est vrai. Attends, 1, 2, 3. Voilà, on a mis ça sur la belle porte, comme ça tout le monde verra. Hop là, ma mèche s'est mal mise, mais c'est pas grave. Je devais faire comment ici? Je sais plus pourquoi je suis venu. Je sais plus, parce que tu m'aimes trop. Ah oui, tu veux plus me quitter. Donc, là vous avez notre petit Thomas. Super bien son ciseau. Regarde, j'ai mis Minecraft comme Nicolas, il adore. La super musique de Minecraft. Wow. Ça, c'est oxygène. C'est vrai en plus. J'ai écouté ce matin. C'est vrai que j'avoue, quand t'es comme ça tout seul dans le noir et tout, avec le trajet, ça doit être formidable. Alors, j'ai ma coupée? Oui. Non, c'est très bien, Thomas. C'est très bien. On offre ça, tiens, c'est ta carte de visite. Super, merci. Alors, peut-être que les téléspectateurs, ils veulent en savoir plus sur le taux d'humidité, sur l'humidité relative. No, God! No, God, please, no! 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 Allez, dis-nous tout. En fait, tout d'abord, l'humidité relative, elle nous renseigne sur l'état de l'air vis-à-vis de la vapeur d'eau. Donc en fait, on retrouve la formule HR est égale à la pression partielle en vapeur d'eau sur la pression... J'ai une question, monsieur. Monsieur, j'ai une question. HR, c'est pas une façon dont on fait de la viande? Non, c'est cachère. Excusez-moi, ça n'a pas de rapport. Ok. Enfin bref, la pression partielle en vapeur d'eau, ça correspond en fait à la contribution à la pression totale de la vapeur d'eau. À la vapeur d'eau, pardon. Et la pression en vapeur saturante correspond en fait
à la pression à laquelle la vapeur d'eau se transforme à l'état liquide, à la température d'expérience. Voilà qui parle. Et en fait, plus l'écart entre ces deux valeurs est faible, plus la valeur du taux d'humidité relative se rapprochera de 1, donc de 100% et donc de la pression saturante. Et en fait, dans ces conditions, ici, donc par exemple à 20 degrés, l'évaporation de l'eau contenue dans la bulle sera plus difficile puisque l'air ne pourra plus contenir de vapeur d'eau. Logique. À midi 25, nous sommes dans la salle 313. Attendez, je recentre. Voilà. On va zoomer un coup. C'est la répétition, la première répétition de notre parcours des 4 jours à venir. Ensuite, nous allons commencer nous avons déjà fini de préparer les affaires, etc. Je pense que nous sommes bons. Le stress n'est pas forcément présent sur les visages. On va dire que dans les yeux de Nicolas, le stress ne se fait pas ressentir. Dans les yeux de Thomas, le stress. Non, je te poubelle. Et dans les yeux de Rose, le stress ne se fait pas ressentir non plus. Seulement le travail acharné de 4 élèves au lycée terminal. Lycée des Flandres en terminale générale. Avec cette magnifique vue, faut le dire, des Flandres. Ça va nous manquer, ça, quand même. Hein. Non, mec, arrête d'être dans le déni, vraiment. Oh, pardon. Voilà. Du coup, je vais censurer à chaque fois. Je pense que je vais mettre en muet la voix de Nicolas, en fait. Il va pas parler pendant tout le voyage, ce sera normal. Enfin, bref, voilà. Oui, lui, c'est des verres. Mais non, mais. Après, t'as des verres chelous. Voilà, bref. Genre, quoi? Oh. Bon, du coup, on va s'arrêter là, ça part déjà trop en vrille. On va répéter et après on vous tient au courant de la suite. Bon alors, on fait le point, Nico? Bah faisons le point. Point. Voilà. Vous voulez voir mes nouveaux copains? Vas-y, montre les nouveaux copains. Attends, il y a derrière. Il est plus là. Il est plus là. Ah voilà, il est plus là. Ils sont tous partis. Ils ont vu la caméra, ils ont paniqué. Mmh. Oh, t'as un peu zoomé quand même. Rien pour les caméras. C'est ça. Non, ils sont un peu timides, c'est pour ça. C'est tu l'appelles comment? Piu-piu. Snoopy. Du coup, c'est Piu-piu 1, Piu-piu 2. Ouais. Oh, oh. Oh. Piu-piu. Comme il me dit bonjour. Il va remonter sur ma tête. Hein. Oh là. T'as pas un petit truc pour eux? Non, mais non, mec. Il est gros. Ouais. Ça se voit, il mange chalas. Ah non, c'est bon, il s'est dégonflé. Oh, mince, il s'est dégonflé. Il s'est dégonflé. Bon, du coup, pour le point, on est à la pause de 30 minutes. Bah ouais. À la station. Sortie 11. Sortie 11. Ah, tout simplement. On a fait de la route. Bah ouais, bah 2 heures là. Ça fait 2 heures. Bon, une moitié de chemin, ouais, quart de chemin, je sais pas. On a un beau soleil, on avait une belle vue en vrai. On a pas mal discuté avec Nicolas, on va faire un projet à deux, on va vivre ensemble. On va former une petite famille, une petite troupe. Ouais, la petite troupe, la famille. La petite boule de bulle, la petite troupe de bulles. Ouais. Voilà. Les bulles asticos. C'est ça. On va l'appeler bulle 1, bulle 2, bulle 3. Ouais. Bulle extérieure 1, bulle intérieure 2, bulle cava 23. Bulle armurée 46, ouais, parce que peut-être ils ont dégonflé, comme l'oiseau. Finalement, est-ce que les oiseaux seraient pas des bulles, Nicolas? Sûrement. En fait, de par en fait leur taux de glycérol, certainement. C'est ça. Et en fait, on a pu voir en fait à travers cette expérience que
En fait, la pression elle est différente en fait à l'extérieur et à l'intérieur, et donc les lois de Laplace elles nous indiquent en fait que les bulles et les oiseaux sont égales. Et voilà. Égaux. Et du coup, les anti-bulles seraient égales à des anti-oiseaux ou à des mouettes? Ah, parce qu'en soi, les mouettes, c'est des anti-oiseaux. Moi, je dirais que ça ressemble plutôt à un poisson. Un poisson. Ouais, un poisson globe. Poisson globe. Ouais. Ouais, une truite en fait. Un blob. Ah, une truite. Ouais, une truite. D'accord. Donc, je serais parti sur un blob. Oh, regarde. Enfin, pardon. Mais ça, c'était Bulle 4. Non, c'était. Ouais, Bulle. Ouais. Appelle un chat. Ouais, regarde, tu veux bien montrer aux téléspectateurs Bulle 6. Bulle 6. Je peux pas aller plus loin, je suis désolé. Faut 4. Okay. Bah, c'est pas. Limité par la technologie. Et on va vous reprendre sur la route ou s'il arrive un accident, on sait jamais. On sait jamais. Bisous. Rendez-vous Paris. Ah. Oh my god. Wow. Bonsoir. Oh my god. Petit lit douillet, magnifique. Ouloulou, on va être bien. Une caméra de 300 balles. Ouh, c'est le truc qui coûte le plus cher dans cette chambre. Et voilà. Une fierté. 3 lits et pas 8. Bref, on va vous faire visiter. Du coup, là, dans 20 minutes, on se retrouve en bas, c'est ça? Oui. Mais non. Et on a rendez-vous avec les profs. Pour bouffer. C'est le mec qui pense qu'à ça, quoi. J'avoue, c'est. Tout à fait, il y a tout à fait. Petit moment, jus de pomme, il va être bien, là. J'aurais dû prendre une chaise pliable. Excusez-moi, t'as pris ta Nintendo ou pas? Ouais, je l'ai. Ah, ça va être une soirée de malade. C'est gros. Non. Non, mais les mecs, vous aurez jamais le dire. Mais on l'a montré dans le truc et tout. Attends, je vais monter. Moi, première escalade. Qui dort? Et toi, si Thomas, t'as envie de dormir. Toi, tu l'as bien une bonne nuit. Ah, il y a un deuxième poil. J'ai trois poils dans mon truc. Tu as une vraie chose, en fait. Bah, écoute, ouais. Mais fais gaffe, c'est peut-être des pattes de. De canard? Ouais, mais t'inquiète, j'ai vérifié avant. Ok, je vais tester les toilettes. Ah, bon. D'ici, ouais. Ah, bah là, on sera bien là. Excusez-moi, mon code, c'est 0-0. Voilà, on t'a un regard. Ok, paf. Ok, ça explose déjà. Et voilà. En fait, comme ça, là, je peux les regarder dormir tranquillement. Je peux regarder leurs pieds là, et puis ce sera parfait. Je vais bien dormir comme ça. Thomas, on fait un point. Il est quelle heure là? Attends, il est 7h10. 7h10, coucou. Fais sûrement de te réveiller vite, reteins la lumière, dors. Ah, c'est les Olympiades! Ça, c'est Nicolas. Nicolas, c'est les Olympiades! C'est des fous, ce mec. Allez. Et ouais, c'est le jour J, les amis. Bon, ça va. Mais pas 13h30 en basse. Mais non. 13h30? Et on est sur Twitch en plus. On est sur Twitch en plus. Non, c'est sur live. Et ouais. Et directement, il commence déjà. T'as montré le nouveau t-shirt, mec. Ah ouais, c'est vrai, on a vu hier on a vu un petit t-shirt. Et oh mince, je vais pisser sans faire exprès. Et pif. Attends. Montre ça. Wow. Montre ça aux téléspectateurs. Il a pris du L, comme moi. Et voilà. Mais le plus important, c'est mon visage quand même. Non, je déconne. Mais du coup, ouais, on a eu aussi un petit badge avec notre nom. Oui, et je l'ai déjà paumé. Mais ça ressemble à ça. Ouais. Sache que si tu l'as paumé, tu sors plus quoi. Bah, tu rentres plus en fait. Mais si, ils vont refaire un à la main, mais ils vont seulement mettre 10 ans. Ouais. Ils ont mis un S à mon nom de famille, dans tous les cas, j'aurais pas pu rentrer. C'est déjà c'est une injustice. Et voilà. Non, c'était une bonne nuit en vrai, même si je me suis réveillé au moins une dizaine de fois. Mais... Tranquille. En vrai. C'était juste pour nous espionner en fait. Ouais. Non, en fait, à un moment, j'ai. Voilà. Et après, je me suis dit, bah, en fait. Et. Forcément. Hein. Et la petite soirée d'hier là. Ah ouais, petit moment jus de pomme. Ouais, regarde, on est tous défoncés en fait, à cause de l'Odia. on est tous occupés des cuvées. Thomas, c'est dur que ça soit. Thomas, c'est dur, ouais. Bon, voilà.
Bah voilà. Et là, ça part pour le déjeuner en fait. Ah, ça va partir pour le petit déjeuner. Bon, d'abord, tout ce truc. Enfin, lui, il est déjà habillé là à côté, il va même pas prendre de douche, là, ce crado. En fait, et une question, le t-shirt, on le mettrait pas pour samedi, là, c'est lundi. Si. Ouais. Bah, moi, je mets deux jours au pire. Ah ouais, t'es en mode à ouais, non, je vais mettre mon t-shirt blanc, ouais. Ça me purée transpire. Après, j'ai du. Ah ouais, si vous voulez. Ah non, c'est un peu dégueulasse. Léo, regarde. Si tu vois cette image, c'est honneur pour toi. Au créateur. C'était le moment. Voilà. C'est mon frère. C'est mon frère qui a fait ce t-shirt. Je lui ai offert à mon petit Thomas. Et ici. Et bah voilà, je voulais faire un petit crédit. Petite dédicace à lui. C'est ça. La vidéo. C'était instant ado. Instant, ouais, et vous avez pas 20% avec le code pas Adorni Moblout. Ah bah et si on a pas 20%, je dois le faire. Bah voilà, moi je sauterai sur l'occasion quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on a parlé de Sun? Est-ce qu'on peut dire qu'on a été au restaurant avec les profs? Ah ouais, c'est vrai, il faut raconter ça là. Bah ouais. Alors attendez, soit dire, je sais pas si on va faire un grand angle. On a fumé un peu avec Bob Marley. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, on a commandé au serveur 3 bouteilles de vodka. C'est peut-être pour ça. Il y a un mec qui vient de passer dans le couloir. Et d'ailleurs, normalement, la chicha, il s'en occupe. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, donc, du coup, ouais. Petit matin, petit chicha. C'est ça. On coupera ça, d'accord. On coupera pas ça, parce que j'aurai la flemme d'éditer. Donc, tout sera dans la vidéo. Le directeur, hein. Et du coup, je vais devoir censurer beaucoup de trucs. Non, bah pire, je le fais, je fais le montage. Oh, si tu veux, je donne les fichiers. Non, c'est à Nicolas, regarde, jaloux. J'ai failli casser ça, moi. Mec, t'as déjà ton badge, t'as dormi avec? T'imagines? Pardon. Pas habillé, mais j'ai mon badge. Bon, bref, allez, bisous les loulous. Je vous aime. Alors, pour le petit message, hein, je l'ai vu, d'accord. Je l'ai vu pourquoi? Parce que je fais le montage, d'accord, hein. Donc on critique pas, voilà. Je rattrape toutes tes erreurs, Roméo. Vous allez pas voir, mais voilà. Ici le montage, juste ici, là. Montage de Marseille. Vas-y, Yonel. En fait, comme on est à Paris, j'ai pris un salon de Marseille. Ouais, bien joué. Attends, peut-être qu'il va rouvrir la porte. J'espère qu'il rouvre la porte et qu'il fasse un autre truc. Là, on fait beaucoup de bruit pour réveiller les voisins. Pas bonne idée, mec. Si tu permets, moi je vais me rendormir. Il a pas fermé la clé, théoriquement je peux rentrer. Ah merde, j'ai oublié que les voisins n'étaient pas solubles dans l'eau. Parce que c'est la spiruline en poudre, les amis. Nous sommes à 4h30 voilà, de la date fatidique. Exactement. Et là, on va à la bibliothèque. C'est ça, on va lire des livres, parce qu'on a ça qu'à faire. Allez, let's go! Merde, tu peux te conduire. C'est beau Paris quand même. Ouais. C'est magnifique. Admirez le travail. C'est moi qui l'ai fait. J'étais hier, on a construit ça en poêle et une. Oh, c'est ce que j'ai vu sur TikTok! Ça, je passe par l'arrière. Bon, on est en train d'être. Je te fais des plans de Paris. Tu mettras de la musique. Vas-y. Je vais aller à New York. New York. Nanana nanana nanana.
Qu'est-ce que vous allez dire sur le micro? Vous n'êtes pas trop... Vous êtes pas trop stressé? Vous n'avez pas trop peur? Non, je pense pas. Oh, ouais, ouais. Regarde, là, c'est dans 6 secondes. Oh, vite, on y va, cours, cours, cours. En fait, c'est en minute, je crois, je sais pas. Je pense que c'est en minute, parce que seconde, ce serait un peu ouais, short. C'était écrit en minute, il y a gauche et droite, donc à gauche, ça peut pas être des heures. Pas faux. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, bah, on attend. Bon. On va appeler la madame pour lui dire. Pour lui dire que ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Pourquoi elle fonctionne pas? Moi je sais pas. Je sais pas. Regarde, regarde. Pour avoir des sourires. Oh, c'est gratuit. Ah non, on va pas d'y voir. Je vais mettre peut-être la dragonne, comme ça ça évitera que les pickpockets ils viennent me pickpocketer. Je veux faire un retour d'expérience. Vas-y. Ok, alors en fait, là voilà. Donc là c'est l'oral vient de se terminer, globalement c'est ça. Là on est parti pour vous étendre un petit peu, faire un tour sur Paris, c'est ça en gros? C'est ça, on va visiter notre belle capitale quand même. La nationalité. Comment, comment vous avez ressenti vous en fait le... Tu fais du journalisme? J'ai fait faire plus respirer. J'ai ouais, respiré et, très alors, fort. Alors lui, petite anecdote, la première chose qu'il prend, il essaie de le prendre et pouf, il fait tomber le montage Lego. Oh, et voilà, là, là. Bon, moi je vais rien dire sur ça. Et ouais. Et premier truc que je prends, ça, c'est bancal. Forcément, après tout l'exposé, mon côté. J'ai rigolé, moi. J'ai rigolé, certainement. J'avoue, moi j'ai moins rigolé, moi. Ils nous ont dit des questions, on est d'accord. Ouais, les questions, ouais, c'était affreusement. On a réussi à répondre une. Tiens, c'est un moment Olympiade. Où? Bah, M14. Mais enfin bref, on s'en fout. Et M14. Les... Ah, Olympiade, ouais. Ça au moins, Olympiade. Et donc, du coup, les questions, on a réussi à en répondre une parfaitement. Ouais, si, quand même. Quand même, on peut être fier. Je sais plus quelle question c'était, mais c'est monsieur qui nous l'a dit. Enfin, après, je sais plus, parce que. Enfin, moi non plus, je me souviens plus. On a posé des questions déjà? Je sais même plus. Hein. Je pense juste que c'était un monologue en fait. Ils posaient les questions et ils s'y répondaient eux-mêmes. Vous allez voir sur Twitch, c'est ça? Ouais, allez voir sur Twitch, il y a une rediffusion du prof de physique. Le prof de physique. C'est ça. Allez, on vous laisse voir, on vous reprend après. Attends, respire pour la caméra, c'est le moment. Information Nicolas. Et pourquoi les mouches ne sont pas de la même hauteur? Non, mais dis-moi. C'est compliqué pour ceux qui connaissent pas. C'est parce qu'avant ils étaient. Non, mais si t'adaptes au château comme ça. Et du coup, tu vas pas expliquer? Tu nous as pas expliqué, Nicolas? Ouais, là, je vous présente la Sainte-Chapelle. Oh!
Répète. C'est de l'eau pétillante. Et allez. Ça pétille, non, j'ai pris de l'eau plate. Les amis, de l'eau gratuite. T'appuies, tu mets ta gorge. T'appuies, bah oui. Ah, il y a de l'eau plate aussi, j'avais pas fait gaffe. Bah oui, c'est pour ça que j'en ai pris. Non, je sais pour l'arrêter. J'arrête pas. Mmh. Faut pas attendre. Donc laisse, sinon c'est du gâteau. Ouais, mais là ça va déborder. Mais attends, ta bouteille, t'es bête toi. Bon allez, on y va. Tu nous racontes ce qui est arrivé, Nicolas. On a rencontré le président de la République. Attention, il y a un truc. Non, on n'a pas rencontré le président de la République. Votre souvenir, on sait pas, la vitre a été teintée. Mais il nous raconte mal. Et en tout cas, bah non, c'est bon. On va pas mentir. Et sinon, mais faut faire rêver les gens qui nous regardent là. Faut faire rêver la caméra. On a vu un des membres du secret service. Eh oui. On a son visage en tête maintenant, du coup ouais. S'il vient, il... Bon, on se retrouve ici pour notre dernier moment dans notre chambre. C'est si triste. Et en même temps, c'est assez incroyable. Mais en même temps, c'est si triste. C'était une expérience assez incroyable, j'avoue. On a laissé un petit cadeau pour pour la dame qui va venir nettoyer. Avec un petit gâteau et une petite lettre. Un mort sur le lit, en fait. Voilà. Ouais, c'est Thomas. On vous laisse et. On va peut-être filmer après. Du coup, le programme, c'est aller. Aller faire le stand de notre bulle, de nos bulles. Et ensuite, une petite conférence, petit cocktail, les résultats du Les Olympiades, et après, c'est la fin. Bisous.
N'oubliez jamais, les bulles, c'est fantastique, c'est bulastique. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.